Bonjour à tous, bonjour les parents, bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle histoire. Cette histoire est écrite par Katharina Makurova et le titre, c'est l'étonnante histoire de la fleur qui ne voulait pas fleurir. Il y a une nouvelle plante dans mon jardin. Ses feuilles sont vertes. Jusque-là, tout va bien. Mais je ne comprends pas. Ma plante ne fleurit pas. C'est bien la première fois que je vois ça. Pourtant, j'en prends bien soin. Je l'arrose tous les soirs et tous les matins. Je balaye ses feuilles mortes pour éviter qu'elles la gênent. C'est un travail de longue haleine. La nuit, je lui donne de la lumière, mais elle ne fleurit toujours pas. Que puis-je donc faire? Je lui sers le meilleur thé que j'ai, mais je crois qu'elle préfère le chocolat au lait. Ma plante n'aime pas quand le soleil brille trop fort. Grâce à mon parasol, elle ne craint plus ses rayons d'or. Le soir, je lui apporte même son doudou, sinon elle resterait toute la nuit debout. Et c'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'histoire et je vous laisse imaginer ce qui va se produire après avoir pris soin de la plante le soir en lui apportant son doudou. Je compte sur vous. À demain. Bisous, bisous.